Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors aujourd'hui on va parler d'un mythe extrêmement célèbre puisqu'on va parler de Narcisse et Echo. Alors Narcisse c'est le fils d'une nymphe extrêmement belle qui a été violée par un fleuve et qui a donné naissance à Narcisse. Donc Narcisse il est très beau, c'est le plus bel enfant qu'on ait jamais vu. Sa mère le chouchoute et elle voudrait qu'il vive longtemps. Donc un beau jour elle demande à Tirésias, le devin dont on a parlé hier. Elle lui dit, est-ce que mon fils vivra longtemps? Soit quoi, Tirésias répondit, il vivra longtemps s'il ne se connaît pas. Réponse extrêmement étrange, mais bon, naturelle pour un devin. Bon. Le temps passe, il a 15-16 ans, Narcisse, et il plaît à tout le monde, quoi. Vraiment tout le monde. À chaque fois qu'il passe à un endroit, tout le monde est complètement subjugué par sa beauté. Et il y a des nymphes, des femmes, des hommes qui sont intéressés par lui, qui voudraient bien devenir son petit ami, mais lui, à chaque fois, il refuse, ça ne l'intéresse pas. Un beau jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, il y a Echo, une nymphe, qui le croise. Alors Echo, elle a une particularité, c'est qu'elle a été maudite par Junon. En fait, ses camarades nymphes avaient une aventure avec Jupiter, et pour que Jupiter puisse faire son affaire avec les nymphes, Echo était chargée de sortir des bobards à Junon quand elle arrivait pour gagner du temps, en fait. Mais Junon a fini par s'en apercevoir, et elle lui a dit « Ah, puisque c'est comme ça, puisque tu as la langue bien pendue, et ben dorénavant, tu ne pourras plus jamais parler la première, et tu ne pourras que répéter ce que les autres disent. » Donc, c'est d'où l'écho, elle ne peut que répondre en écho. Un beau jour, elle croise le chemin de Narcisse. Alors, elle le suit, Narcisse ne l'a pas vu, mais elle le suit en cachette, elle le voit, elle le trouve vraiment très beau, elle le suit, elle est vraiment complètement subjuguée par sa beauté. Et au bout d'un moment, Narcisse finit par demander « Il y a quelqu'un ?» Et il entend la réponse « Il y a quelqu'un ?» Qui êtes-vous? Venez ici, réunissons-nous. » Ce à quoi Echo répond « Unissons-nous !» Et donc elle se jette sur Narcisse. Et la Narcisse lui dit « Oulala, bas les pattes, je ne veux pas que tu uses de moi selon ton plaisir. » Ce à quoi elle répond « Use de moi selon ton plaisir !» Et Narcisse finit par s'enfuir et par les conduire comme il peut. Et là-dessus, Echo est vraiment très 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 triste. Et elle reste, du coup, elle reste au même endroit à regarder Narcisse qui n'est pas allé très très loin. Et elle en est tellement malheureuse qu'elle finit presque par disparaître et par ne faire que répéter ce que les autres disent. C'est comme ça que l'écho est né, en fait. Narcisse, lui, il continue son chemin et puis il tombe sur une rivière. Non, pas vraiment, plutôt une fontaine. Non, pas une fontaine, une source. Oui, une source. Il tombe face à une source, donc il y a un petit bassin autour. Et là, il va pour se désaltérer et il voit dans ce bassin son propre reflet. Et là, il est complètement subjugué par cette beauté. Au début, il ne comprend pas que c'est lui. Il regarde cet individu-là et il essaie de le toucher. Alors, il voit que l'individu aussi approche sa main en même temps. Mais à chaque fois qu'il veut le toucher, à chaque fois, il n'y arrive pas. Il veut l'embrasser, mais c'est pareil. Il s'approche de l'eau, mais à chaque fois, l'eau s'envole. Et il n'arrive pas à embrasser ce reflet, cet homme-là, qui voilà. Alors, il est extrêmement malheureux. Il essaie de le caresser, mais c'est pas possible, ça ne marche pas. Et au bout d'un moment, il finit quand même par comprendre que c'est lui. Et là, il est complètement désespéré. Oh, pauvre de moi. C'est moi que je vois là, mais je suis complètement fou. Mais en même temps, je suis tellement beau. Oh là là, je suis tombé amoureux de moi-même. Mais comment est-ce que je peux faire? C'est terrible. Je ne pourrai jamais être heureux si je suis amoureux de moi-même. Je ne pourrai jamais me voir. Je ne pourrai jamais m'embrasser. Qu'est-ce que je vais devenir? Et il est vraiment très triste. Il se regarde dans le reflet. Et puis, il a ses larmes qui commencent à couler. Et là, ça enlève le reflet et du coup il est complètement perdu. Ah non, t'en vas pas. Et il pleure comme ça et il finit par se taper le torse comme ça, par tristesse, par désespoir. Il se tape le torse. Et au bout d'un moment, il y a des couleurs qui commencent à aller dans tout son corps, il commence à devenir tout blanc. Et il continue à taper. Puis, quelques jours plus tard, ses sœurs ont compris qu'il était mort et ils vont le voir, ils vont essayer de récupérer ce Narcisse-là, mais elles ne le voient pas. À la place, elles voient une fleur blanche qui se penche au bord de l'eau pour l'éternité. C'est la fleur Narcisse. Et voilà comment l'histoire de Narcisse se termine. On se retrouve demain pour la suite de nos histoires. Ciao !